Regarde, regarde, j'ai eu 60 ans le 24 juin. 1945. Le 24 juin, il n'y a pas longtemps. Non, il est beau, il va te rabaisser ce t-shirt. Bien sûr. On va le voir, mets-toi debout. Attends, allez, fais-nous défiler, fais-nous défiler. Tu veux faire de vagues. Mais quand tu as un 2 de strass, ça. Mais ça va le réussir dans l'eau. Oh là là, putain, Patrick, t'as encore coupé, c'est qu'avec le oui là. Chez préhistorique pour pisser un coup. Oh! Ah, donc, 2000 ans, ils diront, il va faire des bordures de lac. Il va faire des bordures. Qui? Je me fais là pour pisser. Oh. Ah, moi, j'ai pas jamais trop de baisser, j'ai pas rentré là. La porte est faite pour toi, Claude. Ouais. Mais t'as à ta taille. Non, mais parce que dans préhistorique, on marchait à quatre pattes avant. Là, on se faisait bas la porte. Ah, t'as la famille ici. Le sureau chez nous, il est famille, mais ici, t'as rien trouvé. Encore. C'est beau, là. C'est... Non, j'ai fait du sirop. Le sirop, c'est pour les yeux. Alors, oui, le du sambusquier. Sirop, et il y a le sirop pour la toux. Le sambusquier. C'est le sirop. Oui, le sambusquier. Alors, tu mets comment? Est-ce que tu les feuilles sur les yeux? Non, tu fais des décoctions. Une décoction de feuilles de sambusquier, et pour les yeux, si tu as mal aux yeux, c'est comme ça. Quoi comme ça? Eh bien, c'est fortiche comme ça. C'est... Tu l'as fait toi? Eh bien sûr. Toi, tu l'as fait? Bien sûr. Mais oui! Tu ne sauras pas à 6h30, hein, Bernard? C'est le mur d'enceinte. Après, je peux faire les photos. Prends dans cette nuit campanile. Ah ouais, il est beau là. Il est beau ce campanile. Recule, tu le verras. Allez Patrick, vas-y embrasse l'arbre. La casquette, allez, c'est, allez 100 euros, vas-y. Ah, ça va, j'ai embrassé l'arbre. Oui.
Filme l'équipe derrière. Non. Ah, Santa Madonna. Porca miseria. C'est doux alors? Ouais, j'aurais préféré demi-doux quand même. Parce que c'est, tu m'as dit que c'était doux le chemin. Ouais, moi j'ai dit que ça montait. Ah. Alors allez. Alors, est-ce que la montée, ça a été doux? C'était demi-doux. 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 Ouais. Oui, Claude, qu'est-ce que tu en penses? Impeccable. C'était doux ou demi-doux? Impeccable, à part le ronchon là. Ouais. Ah. Le rondinaire, on dit ouais. En province. Il en fout, mais tu es le ronchon. Le rondinaire. Ah, qu'est-ce qu'il y a de mouillé qu'il a en un peu plus loin. J'ai vaincu le dragon, regarde, j'ai vaincu le dragon des trois lucs. Regarde, ouais, c'est pour rigoler. Qu'est-ce que tu passes, ce Bernard? Tu me fais mal au dos, tu me fais esprit, tu te vaines. Ah, non, je t'aide. J'arrive pas à te relever. Aïe! Tu vas pas me relever. Quel brut, quoi, tu as vu comme il est brut. Ah putain, t'as filmé, hein, tu vois, comme ça, ça ouais, pas mal pas avant, là, là, Claude, t'es mal. Pas filmé avant, là, si Monique, elle voit ça, à mon avis, tu vas te faire ramasser. Que tu persécutes ton copain. Touche ma bosse, mon prince. Ouais, bon, rattrape-toi. Touche ma bosse. Mais non, mais c'est pour ta femme, il faut seulement que je t'agresse un peu. 200 à 200. Eh, je refais. Ouais, t'as fait un beau cadeau, regarde ce qu'il y a à faire. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau en fait? J'ai eu un beau t-shirt. Au buté. Pelle de merde, regarde. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je sais pas, il y en a qui m'ont craché dessus. Non. Qu'est-ce que tu as eu d'autre? Qu'est-ce que tu as eu d'autre? J'ai eu une concession de 110 ans au cimetière de Rougier. Ah, avec une pierre tombale. Le mec, il va plus te faire cadeau à la perpétuité. Quand non, mais la perpétuité, bon, tu sais, 110 ans, ça commence, c'est les os. Dans tout quelle ça. Poubelle tu l'as trouvé, ton t-shirt? Je le rabat aux os. Dans la poubelle, il n'y avait pas tout, il avait pas tous les non, modèles. Mais le t-shirt, il vient de Saint-Maximin. Ah, c'est vrai, ouais, de chez Maxime. Ouais, il y a un dépotoir. Et ça, non, c'est quoi cette tâche? C'est une vide-grenier avec le chapeau. Ah, ouais, oui, le chapeau et regarde le beau chapeau qu'il y a là. Oh, Bernard. Ouais. Agathe, ouais, on l'a vu. J'ai envie de venir. Non, le club. Bernard, tu vas te prendre un bain, toi? Tu gagnes? Ben, il faudrait. Si tu te prends un bain, je signale à Cassis Armand. Tempêté sur les chemins à bicyclette. Il y avait Nani qui avait. Il y avait Firmin et Sébastien. Et puis Paulette. C'était la fille du facteur. Ah, le faisait Sébastien à bicyclette. Au milieu des papillons, des sauterelles, de grenouilles, de chantagne, d'insectes, je sais pas quoi. Mon pauvre Patrick.
Oh. À bicyclette. Voilà. À la miaou. C'est vraiment formidable. C'est tes conneries. Ah, Patrick. Comme il pèse 90 kilos, on est 4. On le prend en poil, on voit par-dessus la barrière. Je fais 84 kilos. 90 divisé par 4, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait 22 kilos chacun. Allez, arrête de dire des conneries. 22 kilos chacun, on peut te prendre en poil. Non, il ne faut pas qu'il y ait un sac, parce qu'il pèse 8 kilos comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Oh, Bissat! Oh, grâce, Francis Joux! Oh, grâce, Réma Krish! T'as un congé, Patrick? Ouais, j'ai pris un jour de congé annuel. Moi, comme ça, je travaille jamais. Non, ça, c'est toi qui le dis, c'est la jalousie. Moi, c'est Sylvain qui m'a dit. Ça, c'est la jalousie. Sylvain m'a dit. La médisance. Patrick, même quand N'écoute pas la bassesse des grenouilles. Il travaillait pas plus que quand il. N'écoute pas la bassesse des gens de Pépé. Ah, c'est pas quelqu'un de Pépé qui m'a dit ça, c'est quelqu'un de. Le sarcastique. Bon, Patrick. C'est vraiment magnifique. Est-ce que ça, cette promenade te plaît? Ah oui, bravo. Promenade, on peut féliciter le guide pour une fois. Ouais. On peut dire, ça c'est une forêt magnifique. Non, j'ai peur de rien, oh là là. T'as peur de rien? Non, j'ai peur de rien. À mon avis, il y en a qui disent que tu as peur de tout. Ouais, mais... Il y en a qui m'ont dit, Patrick, oh là là. Où t'as vu ça en Provence? Il a vu le parcours, il a... J'ai pas pu venir, j'ai vu. Où t'as vu ça en Provence? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Provence, c'est pas vrai. Ouais, c'est là, sûr. En Bretagne, on est... Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'étais en Suède, c'est pareil. En Suède, c'est comme ça. J'étais partout. Ah ouais, et c'est, d'après toi, Claude, c'est un décor de cinéma ici, alors? Ah oui, je peux faire un film ici. Ah, d'accord. T'as les couilles tremblées. Un film X? Oui. Ah oui, d'accord. Et les actrices, elles sont où alors? Tiens, du moins de 60 ans. Il n'y aurait pas grand monde. Non. Qu'est-ce qu'il y avait là? Qu'est-ce qu'il y avait là, ici? Alors ici, il y a un troupeau de chèvres. Mais des chèvres comment? Des chèvres sauvages. En liberté C'est des chèvres du Rhône en liberté. Ah, des chèvres du Rhône jusqu'ici, là. Ouais. Elles ont fait du chemin. Ah, ben tu sais, les chèvres, ouais, ça fait 20 km par jour. Donc il est arrivé, il a mis de l'ordre dans le troupeau, tu sais. Ah oui, il a organisé ça, quoi. Oui, oui, il a dit, moi, je suis le maître du monde. Alors ça, c'est quoi, ça? C'est la chapelle Sainte-Maxime. Ah, Sainte-Maxime. C'est une chapelle en activité. On va essayer de voir dedans. Tu veux que je... Patrick, tu veux que je te confesse? J'ai vu la chapelle des Saintes Maximo. Vraiment une belle chose. C'est vraiment un beau pays, notre pays. Sans chauvinisme. Tu peux sentirer de venir habiter ici? Nani, non. Ah, tu es quand même un homme de la ville. Ah, mais, non, mais, un homme fan de la ville, de la cité, un Marseillais. Non, pas du tout, je suis des petits villages de Marseille.
Avant, moi, il y avait des, quand j'étais petit, il y avait des vaches. Il y avait un canal, on pouvait pêcher la truite. Hein. On allait acheter le lait au laitier. Il y avait des troupeaux de chèvres, ça n'avait rien à voir avec les cités de maintenant. C'est devenu... Ils ont changé la population à Marseille, ils ne parlent plus de Marseille. C'est devenu... Qu'est-ce qui se passe là hein? Regarde comme c'est beau. Regarde-le, il crache le sang. C'est vrai, tu as du sang là, c'est quoi? Ouais, c'est le sang de Claude. Il y a les poumons. Là, tu l'as étripé ou quoi? Quel sang de Claude? C'est le sang de Claude. Tu l'as étripé ou quoi? Non, mais c'est Claude, si tu veux. C'est un boucher, Claude. C'est pas le sang du Christ, je peux te dire. Ah, non, regarde, Claude, c'est pas le Christ, c'est plutôt le diable. Ah non, c'est quand il est monté vers le Puy d'Homme, il y a marqué le lac. Dans le lac de Artignosc, peut-être, ou de Saint-Laurent. Celui qui est en dessous, c'est Artignosc. Ah, au-dessus, ouais, tu peux le voir. Et là-bas, c'est Esparron.